Hey, salut les amis, chers mes traders, bienvenue sur Price Action Trading. C'est Yann avec vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse. On est sur le BTC UST. On est le 2 juillet, d'accord. Donc en fin de semaine, on est mardi. Mais c'est parfait pour une petite analyse là par rapport au prix. D'ailleurs, là on voit ce qui se passe. Oh, c'est très bien là. Ok, donc je reviens. On est en réel. On est sur le BTC UST. On est le 2 juillet. Donc je dis, c'est très intéressant par rapport à ce qui s'est passé. Donc une petite analyse en plein semaine. Et je pense que je vais commencer à en faire une en fin de semaine et une. De semaine, voilà, le mercredi, ça sera très bien. Ok, donc ici par rapport au prix, tu vois qu'il a exposé les 10 000, il est parti chercher la zone des 14 000, plus précisément 13 700. Et puis il a entamé une dynamique baissière pour aller chercher encore une fois la zone des 10 000. Donc une fois que le prix ici, en fait, c'est renversé. C'est pas la population qui a fait baisser le prix. Ici, d'accord, ce sont les gros bonnets qui ont littéralement fait baisser le prix pour aller chercher les plus bas pour ensuite repartir à la hausse, d'accord. Bon, par rapport à la crypto-monnaie, il faut savoir que leur prix sur les marchés financiers n'est pas leur prix réel sur le marché, en fait. C'est une valeur plus psychologique qu'autre chose, contrairement par exemple aux paires de devises qui, eux, leur valeur sur les marchés financiers est le miroir de leur valeur réelle sur le marché, d'accord, réelle. Pour les cryptos, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une valeur psychologique. C'est pour ça que les volatilités sont très importantes. Donc, ce qui implique qu'on peut faire des gains qui soient tout aussi importants, mais aussi des pertes qui soient tout aussi importantes. Donc, mais là, on est là pour limiter les risques, limiter les dégâts et faire un maximum de profit. D'accord, les amis. Bon, allez, c'est parti. On y va donc pour cette analyse. Donc, j'ai vu qu'une fois que le prix est parti aller chercher les 13 000 ici, les 13 700, donc il repart dans une dynamique baissière pour aller chercher les plus bas au niveau des 10 000. Tout simplement parce qu'on arrive dans une zone de compression. Vous savez tous maintenant que je suis pas amateur des figures chartistes qu'on peut trouver donc sur internet. Par contre, ce que je sais faire, c'est lire un graphique. Vous savez tous que j'aime, que je suis un ancien ingénieur, et la lecture d'un graphique, ça me connaît. Ok, à ce niveau là qu'est ce qu'on a? Donc on trace notre trendline, d'accord, on trace notre trendline. Ici on a une valeur au niveau des 10 000, on rassemble tout, donc ça nous donne un drapeau, un triangle, et on arrive donc dans une zone de compression. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une zone de compression? Et bien, il faut que ça explose. Donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais il faut que ça explose. Donc là, on va le faire. Donc le prix, il doit ça exploser comme ça. Putain, j'ai mon PC qui lag, c'est affreux. Que je pense à changer de matos aussi, ça serait pas mal. Hein, les amis. Et donc, c'est pas vrai. Bon, bref, on annule les actions, ça sera plus simple. Ok, donc on a dit que le prix donc devait aller soit aller chercher les plus hauts à ce niveau-là, soit aller chercher les plus bas à ce niveau-là. D'accord. Donc nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend que le prix, forcément, il explose pour aller chercher le plus haut. Donc, en fait, le prix, soit il va s'amuser dans une espèce de range ici, d'accord, jusqu'en fin de semaine, on aura l'explosion en début de semaine prochaine, ou soit le prix va commencer à décoller à partir de maintenant et se positionner au-dessus de cette trendline. Une fois qu'il s'est positionné de cette trendline, nous, on peut commencer à prendre nos positions à l'achat, pour aller chercher la zone des 12 200, 12 500, d'accord. Une fois qu'on a atteint ce palier, on attend encore une fois nos patterns. S'il n'y a pas de retournement de situation, si nos patterns sont clairs, on va aller chercher nos 13 700, voire les 14 000, voire les 15 000, d'accord. Voyons voir maintenant nos indicateurs, qu'est ce qui nous disent par rapport à tout ça. Donc ici notre TDI, vous savez que je suis un grand amateur du TDI. Ici, ben, forcément, ici les amis, c'est très beau ce qui est en train de se passer. On a nos lignes de divergence, notre moyenne mobile en bleu, qui sont en train de croiser notre RSI et notre ligne de 100. Donc en fait, si vous voulez, la moyenne de divergence qui était assez importante, elle est en train de se refermer sur elle-même, donc pour créer donc cette fameuse zone de compression que je suis en train de dire. Et pourquoi je dis que le prix risque de décoller en semaine prochaine? Parce que ici, en fait, on arrive donc dans cette zone de compression. Mais il faut qu'elle s'étende un petit peu pour que le prix s'étende, d'accord. Donc il faut qu'on ait une zone d'accumulation, ce qu'on appelle une zone d'accumulation, d'accord. Il faut qu'elle s'étende un petit peu. Donc je pense que le prix va s'étendre, va faire des plus hauts et des plus bas tout au long de cette semaine, encore jusqu'à la fin de semaine, vendredi. Et début de semaine prochaine, on aura les explosions qu'on désire, qu'on cherche, d'accord. Donc c'est pour laisser le temps de l'accumulation de se faire à ce niveau. Voilà les amis. Ça c'est par rapport à nos TDI. Donc à mon avis, donc ici une fois que la ligne, une fois la zone de compression donc faite, donc ça va nous dessiner une espèce de petit boudin là. Donc là on pourra partir à la hausse. Ok, notre RSI en dessous là, qu'est-ce qu'il nous dit?
Voilà, on est venu chercher les zones de survente. On retourne vers une zone d'équilibre, donc ce qui correspond bien donc à cette zone d'accumulation que j'expliquais un peu plus haut. Donc on aura un retour à l'équilibre de ce niveau-là, donc il va s'étendre à mon avis jusqu'à la fin de semaine, jusqu'à la fin de cette semaine. Voilà les amis, c'était Yann, j'espère que cette analyse vous a plu. Si vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas, je suis là. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, très bon trade à tous. Ciao, ciao, ciao.